passe là, dans lequel on est, c'est un truc mobile ou... Oui, oui, il est mobile le truc. C'est une forteresse mobile quoi. Est-ce que je peux changer. Ça fait quoi là? Ah, mais je l'ai jamais mis. D'accord, je suis le roi des connards. J'avais pas mis mon spécial. Bon, c'est quoi les monstres qu'il faut tuer? Un Yangsha. C'est les braconnants. C'est faible à quoi un Yangsha? Et pas à confondre avec un Yamcha. Alors, base de données. Aragami, le Yaksha, c'est faible. Au gel, brasier éclair. Bon, bah, j'utilise les armes gel, donc ça va. On est bien. Est-ce que j'ai besoin de pilules? Non, je n'ai pas utilisé une seule. Ah, j'aurais pu regarder si on avait bloqué les pilules 2. Parce que là, bon. Ça commence à sentir le pâté. Ça va les losers? Mec, ils les insultent. Ça a eu les losers. Non, combien de Kotokro va affronter maintenant? Aucun, on affronte des Yaksha. Dis les canons. On commence direct dans l'église et on est que deux, je crois. Non, quatre. Ah non, j'avais pas vu les autres. C'est moi ou la musique est différente? Oui. Ah bah oui, il y a des que dogs. Et ils ont vraiment 2 PV ennemis ces trucs. Avec son escorte. C'est un peu ça l'idée. Ah mais pourquoi j'ai plus Michel en balle? Oh cool, j'aime bien. C'est utile qu'on ait monstre gros, mais lui il est mort. C'est quoi ces cris? C'est vrai que j'ai horreur d'affronter ces monstres. Quoi, ils se barrent. Ils se barrent déjà? Qu'est-ce qu'ils branlent? Mais on dirait qu'il. Ah bah oui, il était. Dommage que je puisse pas digérer mon truc. C'est un peu misérable. Ah bah oui, il y a ça. Je viens juste d'apprendre à réutiliser le bouton classique. C'est vrai que c'est hyper rapide hein, pour le moment, c'est le jour la nuit avec le jeu, premier jeu. Ouais, honnêtement je trouve que c'est le jour et la nuit. Honnêtement les monstres ne font pas tant que ça de dégâts pour le moment. Du gui, super. Il manque qu'on arrive aux maps un petit peu plus compliquées parce que là... Alors excuse-moi mais je vais choisir
Je vais choisir ciel. Elle a besoin d'amis, hein, elle a besoin d'être écoutée dans la vie. Résistance au brouillage, super, super, que de la merde. Triple S. Ah, on a eu des. Ah bah, soleil. Ciel donne des grenades. Comme ça, je pourrais reprendre des grenades canardées. Ah, c'est pas ouf, hein. J'ai pas très bien augmenté mes capacités. Je pense que ça va prendre plus de temps au fur et à mesure qu'on fait des missions. Ah bah si on enchaîne, je suis plutôt d'accord là. Faut qu'on aille dans le bureau du directeur. Ah non, il va nous draguer. Ah quoique on est mineur, ça va peut-être pas l'intéresser. Bon bah je vais parler au directeur. Si vous dites s'il y a jamais un micro dans votre bureau, je suis non consentante. Je suis le seul à croire que la musique n'est pas en rapport avec ce qu'ils disent. Être en désaccord avec ce qu'il dit. C'est une musique complètement épique et il raconte de la merde. Musique est s'affole, il se passe rien. Ils discutent. Ça me tue quoi. La musique elle a aucun rapport avec ce qui se passe quoi. En fait là le directeur je crois qu'il pense que au fric je crois. Au fric et à la baise, hein, je pense. Ah ça, c'est le directeur typique. Dommage que vous soyez mineur, sinon. Je vous aurais bien fait relever votre petit cul. C'est Ah oui. super! Ah, il pleut. Oh non, je viens de mouiller. Bon, bah, on va tuer des Kungu. Alors, s'ils ont 2 PV, bon, ça va. Hein. Bon, même s'ils en ont 2 aussi, ils ont 10 aussi, ça va aussi. Il suffit de leur frapper bien fort sur la queue. Bon, on peut toujours rien améliorer. Je n'ai pas du tout le seum. Bon, lame, je peux faire quoi? En coup. Je l'ai déjà cette arme.
Ça aussi, je l'ai déjà. On s'emmerde. Je suis désolé de le dire, mais on s'emmerde. J'hésite à repasser sur les faux, mais il n'y a pas tant que ça de faux, hein. Il n'y en a que 4. Bah ouais, mais il n'y a que 4 faux, c'est un peu la zermie, hein. Bon, bah je reste avec mes armes dégueulasses. Putain, on est déjà à l'histoire 18? Bah on est 17 là si on l'a fait. Ah, il me manque une pilule. Bon, pour une pilule, est-ce que c'est vraiment important? On est obligé de prendre Roméo? Ah, Si je l'ai pris, c'est que oui. oh, flûte! Pourquoi on est obligé de se taper cette victime? Je le pré... Je pré... C'est en train de me faire regretter Kota, hein, franchement. Bah ouais, Kota, il était cool, mais à un moment, il était chiant, quoi. Avec sa vie très là. Il savait pas l'arrêter, en fait. Il était branché sur en marche tout le temps, il savait pas la retirer. Et Roméo, lui, il a une tête de victime, il s'habille comme un sac et j'ai envie de le frapper. Donc honnêtement, ça fait beaucoup pour un homme. Bon, à vrai dire, il y a Gilbert aussi, donc ils ont renommé Gilles parce que bon, Gilbert, bon bof quoi. Surtout que Gilbert, comme nom pour écossais, bon bof quoi. Bonjour, je m'appelle Gilbert. J'aime le café et la bière. Excusez-nous, Gilbert. Je viens de me faire une toute nouvelle tenue. Ah, d'accord. Là, c'est carrément, on va en sortie scolaire, là. Moi, je reste sérieux avec une tenue de militaire. Pas pire que le pique. Ah, le bikini, bon. Alors, il y a Amos à droite et à notre à gauche. Tu Bon, veux qu'on s'occupe duquel en premier? on peut se les farcir chacun. Hein. Bon, moi, je suis déjà parti à droite, de toute façon. Non, mais faut mieux les buter en même temps, sinon on pourra pas les. C'est Je crois aussi que c'est des monstres facultatifs ces trucs, non? Ah non, il y a un Kungu. j'ai tiré sur notre allié. Si c'est Roméo, ça va. Hein. Par contre, si c'est. C'est quoi ce truc? Ah, nouveau mon. Ah oui, c'est la forme évoluée de truc moche. Ah, il a loot des trucs que j'avais besoin. Ah, il a pas aimé. Ah, pour le coup, là, la scie qui stabilise en l'air. Mais sur la passe dans laquelle on était, elle était beau pile. Non, non, elle était au même endroit tout le temps. C'était le Strémorien. Je Bah, t'ai vu, il écoute, t'a mis une de ses retournées. si ça se trouve, on aura plus de variation dans les lieux, du coup. Dans les lieux. Oh, t'inquiète pas, on retrouvera le métro hein, bientôt. Le métro où on pouvait pas affronter certains monstres. Mais j'ai mis mon bouclier. Ah oui, c'est vrai, j'ai le bouclier qui rame du cul. Quoi, il va déjà manger. Excuse-moi, hein, j'entraîne mes talents de sang. Mes trucs de sang. Il fait quoi? Il. Qu'est-ce que je déteste affronter ces monstres? Quoique le pire, c'est les scorpions. Les Burkaloum, qu'est-ce que c'est chiant. C'est pas les tailles hospitales, j'ai peur.
Si, ils sont chiants, mais ça va encore. On l'a tué en 3 minutes, hein, quand même. Allez, il y en a un autre de l'autre côté maintenant. Attends, il faut le loot. Bon, Roméo, au lieu de regarder les mouches, t'as pas quelque chose à foutre de ta vie? Du cobalt. Ah, je crois que j'en ai besoin de cobalt pour une nouvelle arme. Le bruit que tu fais quand tu fais tes roules. Quoi, qui ça, moi? Non, mon perso. Ah, ton perso, c'est un psychopathe. Tout cas, dans l'ancien, dans l'autre, il y avait vraiment une tête de psycho. Hein. Quand elle faisait ses sauts arrière. Bon, il n'y en a qu'un de. Ah ouais, c'est Sonic le Pangolin, ça y est, il a repris le. Il a repris le flambeau là. Tiens, Roméo, il a pas encore vu Roméo. Bah, Roméo a pas encore été. Il a pas Donc encore quoi, l'attention. what? Putain, mais pourquoi il est venu d'un coup on m'agresser alors que j'étais super loin de lui? C'était pas en train de l'affronter. Bah, je le tirais dessus de loin, mais c'est tout. Si je te signale que j'ai 6 lance, hein. Du coup il se peut que des fois il me voit pas quoi. Ah, il va retourner manger à 2 cm de nous. Bah, j'étais dos à lui, mais il m'a réussi à me taper. Un cancer apparemment. Trop loin. Ah si, je l'ai touché. Et il part pour une fois, il part à chercher à manger loin. Si lui tu il aurait été de l'autre côté de la map. Oula, j'ai pris une grosse praline. Ah, Double grosse praline. ça doit être moi avec mon fusil à pompe, vu que ça tire dans tous les sens. Donc on est à 3 sur sa queue. Ouais, c'est vrai, quand on dit comme ça pourrait être très bizarre. Voilà. Comment bolosser un monstre? Mais super, le plaisir. Tout ce que je gagne, c'est pas le aussi à loot. Tu l'as pas encore loot, mais Bah tu non, vas je. reload, mais allez loot. Bah j'ai pas. Des fois, mon coup pour l'assimiler rapidement. Il sort une fois sur 10, hein, je sais pas pourquoi. Ouais, des fois, il sort pas. Peut-être que j'ai pas le bon timing. Je sais pas si je peux l'enchaîner. Bah plus de récompenses.
Attaque fusil 1, super. Dégâts réduits 1, super. Ah, résistance, estourdissement. Ah. Il n'a pas été assez rapide. Je pense que pour avoir le triple S, il faut partir chacun de son côté et les tuer. J'ai pas gagné grand-chose, hein. Météore spirale. Je sais pas c'est quoi, mais le dos est classe. Ah, moi j'ai débloqué tous les trucs déjà pour la lame. Du coup, bah je galère. J'ai tout débloqué, faut que je passe au niveau 2. Cinémathèque. C'est une pluie acide. En gros, si on la touche, on est mort. Ah oui, j'avais oublié ces trucs. Je sais pas si tu l'as vu en arrière-plan. Ce truc. Non, non. T'as pas dû faire attention, c'est pas grave. Je pense qu'on le verra. Affronter cette Aragami plutôt. J'ai pas compris. Pourquoi on n'a pas affronté ce truc plutôt? Bah, c'est à nous. C'est un soldat anti-Aragami. Un SAD. C'est la prononciation anglaise hein, pour dire ciel. Hein. Ah, soldat, arme divine. Oh, bien avant. Bien avant, comme l'autre directeur, je pense il y a plusieurs parties et lui on le défonce avant.
Oh le fils de pute. Ah non, j'avais cru que le jeu serait un minimum. Ah ouais. J'avais cru croire que le jeu est un minimum réaliste. En gros, bah c'est l'appui, si elle touche l'appui, elle meurt quoi. C'est ça qu'ils nous ont dit. Ah ouais, c'est une bah, subordination. Ah non, on n'est pas en prison, on est en quarantaine. Putain, mais les musiques. Les musiques dans les cinématiques ont des accords. C'est comme ça qu'on a des relations sexuelles dans le monde de Goniteur, en se touchant la main. Je sais pas, elle a eu un flash comme si, oh, ça y est, elle avait atteint le Nirvana. Ah, d'accord. C'est bien, on échange nos pogo. Ça, j'ai ta nouvelle tenue. Ciel, Alençon. Nana, félicitations pour le retour terminé. Voilà, Nana, elle a tout compris. Trois lignes, voilà. Pas besoin de se casser les couilles avec des messages qui durent longtemps. Du coup, est-ce que tu peux équiper, on peut équiper à Ciel une. Ah non, elle l'a déjà elle-même. Je voulais savoir si elle apprenait. Ah bah le menu des. J'ai l'impression que le menu des aptitudes pour les alliés est un petit peu mieux fait. Il parlait à je sais plus qui à le choix. Attends, je regarde ce que je peux fabriquer. Une tronçonneuse ardente. Ah, une arme brasier. Bah, je vais la faire. Julius, je sais pas quoi. Julius, il doit être au. Il est là en fait devant les sorties. Ah! Un problème à mon sujet? Est-ce que je te spoil? Parce que j'ai un truc à propos du jeu. Un élément qu'on va sans doute bientôt affronter. Un Valra! Oh, un Valra! Est-ce que je te spoil un truc à propos du jeu? Ça peut être gros, hein. Je pense que ça va être gros. On va buter le tir réfracteur, c'est ça. Non. Pire. Bah, pire pour les persos. Nous, en soi, ça sera l'occasion d'affronter un nouveau Si mob. tu travailles de travail, je t'ai fait pas non. Non, c'est à propos de ce qu'ils appellent les soldats d'armes divines. Parce que, alors, je sais pas si ça va être vraiment le cas dans le jeu, mais en tout cas, dans Project Zone, ce sont des monstres à affronter. Et les personnages disent un petit peu plus à propos de ça, pourquoi on doit les affronter, tout ça. À vrai dire, Project Zone, ça spoil pas mal de choses sur God Eater. Pour le coup. Des éléments que j'étais pas, qu'on va sans doute apprendre au fur et à mesure de jouer au jeu. Je crois qu'il y a deux boss de God Eater dans Project Zone 2. Il y a deux semi-boss, dont un dans le Valra.
Donc ça, on est habitué, on en tuait maintenant des Valras. Alors je viens te remplacer une compétence attaque au corps à corps niveau 1 contre une compétence attaque au corps à corps niveau 1. Bon, c'est le worst. Oui, je m'appelle Terra. C'est normal que je suis la Terre. T'es bizarre, Rachel. Elle est bizarre, cette meuf. Ah, j'ai pas lu le message. Elle a dit quoi, le... Le PT l'eau calice les Saragami. Est-ce que c'est vraiment important de le savoir? Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Mais j'aimerais loot le monstre. Mais putain! Putain, mais c'est une. Mais ça m'énerve, le jeu est pourri. Oh, les contrôles. Atayus, putain, en fait. Non, c'est un Valra. C'est le monstre au-dessous. C'est un peu moins fort qu'un Diospita. Arrête un peu de me focus quoi, ce serait cool. Bah t'as mis N, non? T'as encore N dans ton moveset? T'as encore N dans ton truc, dans tes aptitudes? Non, je crois je l'ai enlevé, je crois. Enfin, je... Non mais attends, moi je suis là pas tranquille, il vient quand même Ah, c'est d'accord. C'est leur pouvoir de sang. Je t'ai vu tirer magnifiquement sans le toucher. Je me suis trompé en fait, j'essaie de savoir pourquoi des fois ça fait pas ce que je veux. Ok, ça devient n'importe quoi. On lui a brisé la patoune. Ah, je vois les PV. Ah, cool, grâce à tant qu'on prend ciel, on voit les PV des monstres. Merci, ciel. J'espère que t'es pas utile qu'à faire ça. Mais j'étais contre un mur, comment tu veux? Il est passé à Robert maintenant. Il est stun ou truc comme ça. Il doit avoir un. Mayou. Ça fait bizarre quand je lui sors les PV t'es. Ah, c'est. Bah, c'est cool d'un côté. J'ai niqué sa queue. Et là, il reste plus 10%, c'est ça.
5 minutes. Et encore. Ça augmente, hein. Four de chimère, aile de chimère. Une fourrure de chimère. Plus vite que toi. Ouais. T'as dit quoi là? attends, je sais pas, il était vraiment dans l'église maintenant. Quel est lié? Ah oui, ok, en fait, ils sont juste à arracher le mur en fait. Ils sont pas affichés à faire. Ils ont coupé, ils ont retiré deux textures. PC, je prends les objets consommables parce que c'est bien. J'ai senti autour du adoré. Double S, il n'a pas dû finir de le tuer assez vite. Ah, calibrage aérien. Ok, je sais pas ce que ça fait. C'est Gilles. Oui, mais pourquoi il a pas de nom? Bah, il n'y a pas de nom dans les trucs comme ça. Dans les cinématiques comme ça où il parle, où tu peux passer les dialogues, il n'y a pas de nom. Voilà, je l'ai retiré sans m'en rendre compte. Sauvegarde effectuée. Putain, bah, t'es arrivé à l'histoire 20. Ça va vite. Je crois qu'on passe plus de temps dans les menus que dans affronter des Aragami. Faut qu'on aille parler au docteur Rah. Oh non, j'ai rien contre les personnes en fauteuil roulant, mais elle est un petit peu, elle fait un peu peur. Bon bah je vais mettre dégâts réduits. Putain, les aptitudes, honnêtement, c'est. C'est du sport, hein. Voilà, j'ai augmenté mes dégâts de 0,02. Bon, il faut parler au docteur Larachel. C'est beau, c'est beau. Du coup, en fait, maintenant, avec quoi on essaie de transmettre toutes les infos sur les Aragami. Ah, c'est plus pour nous dire ce qu'on savait déjà, quoi. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Roméo? Mais putain, Roméo, je vais te foutre une balayette dans les escaliers, on va tous rigoler. Carrément une balayette dans les escaliers, hein. C'est même pas une balayette au sol, non, non, dans les escaliers, comme ça, il se casse bien la gueule. Comme ça, il a bien mal, ce fils de pute. Ça fait quoi, fragmentation? Je ne sais pas. L'arme bénite, rendement de l'ambiance, on va croire, ça je l'avais lu. Ça, j'ai jamais compris comment il fallait faire. T'as non plus. Libère l'énergie d'oracle de votre arme divine pour créer une énorme lame qui s'ajoute à votre attaque. Calibre sonique des lames d'oracle sont déployées lors de vos attaques. Activez votre arme divine pour former des lames d'oracle qui frappent les ennemis à distance. Plus puissant qu'on les a mis vulnérables à votre attribut d'attaque. Vas-y, j'ai envie de prendre ça. Ça m'a vendu du rêve. La description qui m'a faite du larme m'a donné envie. Faucon! Mais je suis pas un faucon. Dragon enflammé. Ouais, super. Oh! Ah, mais j'ai déjà des trucs dessus. Mais il pue un peu la merde ce fusil. Certes, il fait plus de dégâts, mais il pue. Faut qu'on aille parler à celle. Putain, faut parler à tout le village. Bien sûr. Captain,
Oui, je l'utilise tout le temps. Mon perso qui regarde même pas ciel dans les yeux en mode ouais. Qu'est-ce que ça implique? Alors tu peux. Ouais, quand tu. On va tester une nouvelle balle. Vas-y, teste-la. Ah non. On va faire une mission. Bah en vrai, si les IA peuvent créer des balles cool, pourquoi pas. Ah ouais. En vrai, ça, c'est cool comme rajout, ça. Je suis plutôt satisfait de ce côté-là. Je vais garder ma tronçonneuse, je l'aime bien. C'est quoi, c'est une arme trop sonneuse? Oui, bah elle a la gueule d'une tronçonneuse. Elle a la même arme, gueule que l'arme de Lindo. Donc je suis Oui, mais plus. c'est pas une vraie trop sonneuse dans le sens. Dans le sens qu'elle tronçonne pas, non, elle frappe. Quoique, peut-être en rajoutant une aptitude particulière, on peut faire office de tronçonneuse. C'est parti! Tu fais tes shorts Oui, c'est mon de arme. bug. C'est C'est le un truc que j'ai. au tiré tu sais la Master Sword Salta. Un petit peu, hein. Bah, je suis un peu content du résultat de l'arme. Attends, il y a Bah encore un. c'est le principal du jeu. Non, il y en a deux. Non, lui, il est facultatif. Regarde-le comment il se barre là, comme une chochotte. Oh, n'arrête pas de me bouleverser. Ah non, il se suit. Je suis plutôt satisfait des. Ça, par contre, j'aime bien. Attends, t'as tué un vilpi. Mais j'en ai marre qu'ils te suivent. Bon, remarque, quand même cool d'un côté. Mais pourquoi tu l'as tué? Il était tranquille. Je pensais que bah attends, je pensais qu'il était prêt obligatoire. Ah merde, ah, j'ai pas pu loot l'autre. Bon bah on a 25 secondes pour le tuer. Si tu veux, on peut refaire la mission Bon, on sans l'a lui. déjà tué lui. C'est pas comme si c'était un monstre inédit. Puis de toute façon on se rend plus de dégâts donc. Il reste plus que 50% de PVT. Ah bah il T'es reste 3 chaud. secondes. Ce cri, on dirait un mec fin de soirée qu'on est en train de tabasser dans les escaliers. Franchement, j'ai pas tout fait gaffe aux nouvelles Bolt aussi. Moi non plus, je crois qu'elle les a pas utilisées. Désolé ciel. Triple S. Excuse-nous ciel, hein. Ah, j'ai rien gagné. Vais essayer autre chose. Ah. Fatigué? Un problème? Compensateur de recul. Bien que tu maîtrises le sujet. C'est rien, détends-toi. Ah mais en tout cas les sorts de ça c'est une nouveauté vachement cool.
De quoi? Les sortes sont la folie de nos compétences. Ça ajoute un petit plus au gameplay. Et au fur et à mesure qu'on jouera au jeu, bah on en donnera des nouvelles plus pétées. Bah pas des nouvelles pétées, mais on améliorera celles qu'on a. Ciel. Faut qu'on aille parler à Alissa, Ilinisha, Amelia. Bah dis ça. Putain, c'est. Elle est où? Elle est là. Elle est auprès du débrief. Allons-y. Calibrage d'armes, c'est sympa, mais il y a quoi d'autre? Calibrage sonique, des lames d'oracle sont déployées lors de vos attaques. Plutôt prendre ça. Je vais tester ça, tiens, j'ai envie de tout tester. Ah, Yangzi, c'est faible contre quoi un hein, Yangzi? C'est le Shiyu. C'est le Shiyu congolais. Il est où le Shiyu congolais là? Le Yangzi, il est. Ah bah, il est faible au brasier, Ah, super. c'est bon, j'ai compris comment faire pour mettre, tu sais, les sous-titres sur les copains, enfin, surtout Ah oui, c'est option radio, c'est vrai. Ouais, que je l'ai pas dit, mais. Cœur de sage. J'ai cru lire cœur de singe à un moment, je me suis dit d'accord. On tapait un singe. pour quoi. On va taper un singe. Pouapapapap. Oh, je crois que depuis le début du jeu, je n'ai rien. Amélioré. Ah, moi j'ai amélioré des trucs déjà. Bah, améliorer des armes, non, on peut pas encore, on n'a pas encore des stuff, on n'a pas encore les trucs. Par contre, toi, ouais, j'ai déjà rajouté des modules, tout ça quoi. Putain, on est à l'histoire 20. Putain, bah alors si le jeu il finit à l'histoire 100, ça va rush. Ah, j'ai pas assez de pilules. Bon, remarque, il manque 3 pilules. Hein. J'ai une arme efficace contre le monstre. Bon. Ça y est, je commence à avoir de la thune. Il a fallu attendre 6 heures de jeu pour que je commence à avoir de la thune. Ah, dommage, j'aurais aimé aller au jardin en attendant. Maintenant, si je me silence, peut-être que les mots arrêteront de me suivre comme un conseiller pour l'emploi. Je pense que c'est parce que t'es l'hôte de la partie. Parce que c'est. Je vois en quoi ça. Ouais, moi non plus, mais quand je jouais. Quand j'ai testé le jeu seul, les Ariamis étaient tout le temps focus sur moi. Donc je sais pas si c'est un rapport. Si votre forme de l'homme pour une puissante attaque glissée. Je sais pas si je. Toujours moyen de chercher son monde en appuyant sur ah sur le bouton près Tu comment peux dire t'es. insulter dans le chat. C'est vrai, non on peut pas insulter. Ils ont censuré. Ou alors attends, si je fais ça. Pas très au point leur système de comment de censure. On ne plaisante plus mon petit lapin, même si c'est un scarabée. Putain, il a une durée de vie de 2 minutes ce truc, même pas 30 secondes. Voilà, lui aussi. Non, mais tu vois, c'est
c'est officier à pompe qui leur fait un peu mal, je crois. Bah, fusil à pompe, c'est quand t'es au corps à corps, tu fais plus de dégâts. Bah, il est là, le monstre. D'accord, la musique qui s'affole et puis qui s'arrête. C'est normal, on avait plus de boss à affronter. Ah, mais c'est un petit peu ridicule quand même. Enfin, j'ai l'impression que tous les monstres petit truc en fait, il faut pas peut-être que truc en fait. C'est leur sbire. Bon, ça va, ils font pas trop de dégâts. En vrai, c'était son super pouvoir, ce monstre. C'est bien avec ce que j'ai, je peux attaquer à distance avec ça. L'autre, mais j'ai oublié qui disparaît quoi. Je te vois jamais faire tes lames. De quoi? Je te vois bot. Ah ouais, d'accord, c'est vrai qu'il peut passer par map. Je te vois jamais faire tes lames dans le. Enfin, ton truc, tu. Des lames. Ah, les lames à impulsion, c'est ça? Ton machin, tu sens là. Que tu fais là. Ton pouvoir. Eh ben ouais. C'est. Mon pouvoir, c'est juste de faire des éclairs. Hein. Ça améliore mes dégâts au corps à corps. Je crois que je peux les envoyer. Je peux même me battre de loin comme ça. Je crois que ça envoie de loin. Mais il s'envole. Tel Jésus, il s'envole. Putain, mais je vois rien, pas dans les quenouilles là. C'est peut-être voulu, hein. Ah, t'aimes bien les effets selon l'honneur que je te propose avec mon arme? T'aimes bien. Ah, tu es mort. Est-ce que tu aimes les effets son et lumière que je propose avec mon arme? Ah mais moi aussi je propose des gros trucs effets et lumière. Enfin, je sais pas si t'as vu mais en fait je peux attaquer à l'infini en fait. Ouais, j'ai vu, ouais. En vrai, c'est fort hein, comme que tu puisses attaquer sans jamais sans t'arrêter. Vu que le monstre soit bloqué ou droit à, comment? Genre là il était stun. Il est mort? Je sais même pas s'il est mort. Ah si, il est mort. J'ai Je tellement crois bourré. Ah mais il y en a un autre de l'autre côté en fait, c'est pour ça. Moi je le tapais, je comprenais pas pourquoi il mourait. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus l'amélioration de ça. C'est vrai que du coup, maintenant que ciel est plus là, on sent qu'il n'y a plus le. C'est vrai que quand il n'y a pas ciel, on est un petit peu surpris quand on le voit, qu'on le tue pas. Ah, mais on l'a déjà affronté lui. C'est le monstre qu'on va fermer sa gueule, qui ferme sa gueule quand on le frappe un petit peu.
Il prend cher quand même. Aïe. Ah oui. S'il prend un traquenard dans la gueule. Il y en a eu marre. Arrêtez de me bolosse. Activation de l'argami. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas. Quoi? Il retourne déjà manger? Je crois qu'il était mort. Voilà. Il s'est fait mais défoncer la gueule. Il s'est fait bolos comme Ah là, il s'est fait bolos comme team de 6ème là. Ouais, tu veux que je te tire dessus, tu verras qui c'est la plus grosse. Non mais c'est moi, je vais cacher dans la racami. Tu peux rien me faire. Bah c'est Julius qui prend pour toi là. Du liniment impur. D'accord. Mais comment il gueule? Oula, il y a beaucoup de trucs. Ah ouais, moi j'en ai que 3. J'ai Julius sous toi. Ah, affiche PV ennemi, vitesse des objets. Et mettre est-ce des bombes. C'est normal que je vais avoir 3 fois la même compétence N. C'est un signal. Hein. C'est un signe. Hein. Ouh. Non mais à ce rythme, si je continue à le mettre partout, vous serez tous ça. Oh. Enfin, je sais même pas s'il y a un max pour ce genre. Je sais pas du tout. En fait, ça serait trop rigolo que les boss ne font que m'attaquer. Moi. Bah, c'est possible. Étant donné que j'ai du silence, ça sent. Faut qu'on parle à chaud. Oh, mais putain, faut parler à toute la famille ici. Super Julius, t'en as d'autres des. Tu as d'autres phrases dont l'intérêt est limite. Est très limite du négatif. Mais en fait, pour l'instant, en difficulté 2, il n'y a aucune mission ce côté-là, quoi. Ou sinon, on les saute tous, je sais pas. Genre, même dans le. Si, c'est des difficiles. Ah ouais! Difficile, ça a l'air difficile. Ah ouais, y a pas tant que ça des missions difficiles. Non, c'est quoi là c'est... Des queues d'ogre, des vétalides et des vues de pique. D'accord, c'est des petits argamis. Est-ce qu'on peut. Je suppose qu'on peut toujours rien améliorer. On peut toujours rien améliorer, quel plaisir immense. Ah ouais, là, pour améliorer cette arme, faut se lever tôt. Hein. Pareil. Obligé de se battre avec des armes niveau 1. Non possédé. Ah, je l'ai pas celle-là. Est-ce que je la prends? C'est une arme quoi? Éclair. Vas-y, je la prends. Non. J'ai pris une faux. Ça y est, je retourne. J'ai acheté une faux. Ah, j'ai forgé une faux. Si jamais je retourne du côté des faux. La baguette? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Elle a l'air immonde. Oui, je suis là. Je gardais les fusils de chasse. Mais je crois que je vais partir sur un bon vieux fusil à l'ancienne de précision. Non, bon, moi je garde mon fusil de chasse. En vrai, s'il y avait des trucs pour toucher les ennemis, des pouvoirs de sang pour les fusils, ce serait marrant. Peut-être que ça existe. Pire, je l'ai. Mais tu veux pas aller toucher les d'ici? Ah si, ils nous ont repérés. Il y en a un qui nous a repérés. Si, je peux les toucher, je pense, avec un fusil de précision. Ah d'accord, j'inflige double dégâts avec mon arme. C'est quoi ça? J'ai entendu un cri d'une personne comme si on l'a. C'est ton perso, je crois, qui a fait ça. J'ai trouvé un moyen d'absorber les trucs plus rapidement. J'espère que la mission c'est pas que les gâteaux là, car Non, non, il y a des scarabées. voilà le pauvre. Quoi, le pauvre, si on faisait rien, il nous tuerait, hein. Putain, le... Ah, j'ai cru que Et c'était le... J'ai cru que c'était le monstre qui m'avait attaqué, qui cachait dans les... ciel, c'était rigolo. Ah, j'ai pas compris, je croyais que c'était le monstre qui me tirait dessus, mais non, c'est... Alors si elle, on utilise un fusil de sniper, mais on touche ses alliés. Mais il est où le monstre? Ah, il est là, putain, mais on le voit pas dans les queues de Ah ouais, c'est fusil. pour ça, moi je l'ai vu, je crois que c'était lui qui m'avait attaqué. Ah. Voilà. D'accord, j'ai même pas pu l'affronter parce que, bah... Alors, en fait, je me suis collé à lui. Je lui ai foutu... 5-6 coups de cerveau, puis il est mort. Je vais me Putain, mais elle suicider, parle salut. Ah non. que de bouffe de l'autre là. Nana, bah oui, elle a tout en faim. Elle mesure. Alors elle pèse 60... elle pèse 40 kilos, mais elle passe son temps à bouffer, hein. Les diététiciens le détestent, hein. Bah elle la déteste pour le coup. quel âge là d'ailleurs, Nana? Elle a 15 ans, je crois. Je crois qu'il faut lire le message de Roméo pour le savoir. Le stalker qui sait déjà tout. Dégâts, hein, super. Effet N. Et durée effet limitée. Triple S. On va voir ce qu'on peut les mettre au perso. Comme aptitude. Ce que j'ai vu hein, que dans God Eater 1, tu m'achètes plusieurs certains éléments précis, tu peux avoir une technique super forte. Un élément super fort. Par exemple, on va prendre un ciel. Ah non, il n'y en a pas. Dans ce jeu, il n'y en a pas. Mais sinon, oui, tu peux leur mettre des trucs. Là, il n'y a pas grand-chose, je trouve. Peut-être que ça arrivera par la suite qu'on avancera dans le jeu. On a de nouvelles. Il y a des nouveaux trucs. Bonjour, j'ai débloqué de no nouvelles lames. Ah oui, c'est parce que tu t'as eu les trucs pour les forger. Non, de nouvelles lames qui s'étaient pas. Ah bon. Moi, je sais que je vois que j'ai débloqué plein de trucs aussi. Putain, le marteau ça donne envie, mais bon, je suis pas très marteau.
Lance bébé tigre. D'accord. Oh, Dame Trovao. Ah oui, en effet, on a débloqué des trucs. Coup de plume. Entrave. Les attaques au corps à corps infligent entrave. Oh. Réduit l'activation des ennemis par la haine. Pas mal. J'aime bien. Quand qu'on débloque des vrais vêtements, sinon. Bon, peut-être pas si. Je sais pas si j'ai le même arc de compétences, du coup, si je passe en fou. Je pense pas, hein, là. Là, c'est exclusivement là. Ça fait quoi si j'ai silence et haine en même temps? Bah, les monstres ne te voient pas tout de suite. Mais à un moment. Ils choperont, quoi. Je pense que c'est le plus fort des effets qui s'active. Bon, c'est quoi la mission? J'aime pas regarder. Un Valra. Ok, bon bah ce sera sans doute l'une des dernières missions pour aujourd'hui. Mais en fait, on va passer un jour au niveau 3 ou ça se passe comment? Bonne question. J'ai pris des grenades. Au cas où, il faudrait affronter le Valra. En même temps, on le tue en 5 minutes, le truc. En vrai, là, on avance vite, je trouve. On n'est que à la sixième vidéo, un truc comme ça, cinquième, sixième. Et on a déjà quand même. On est quand même à l'histoire plus de 20. Voilà le travail. J'ai peut-être bien avant le tir. Ouais, mais je l'ai pas vu tout de suite. C'est pour ça que je l'ai tué après. Attends, le monstre est derrière? Il me poursuit en fait tout à l'heure. Quoi déjà? En effet, ça touche de loin. Ah oh, oui! Et ça marche plutôt bien, ouais. En vrai, je tape dans le vide, je lui fais des dégâts. J'aime la longue, c'est pour ça que je peux faire ça. Ça envoie des ondes de choc, c'est marrant. Il reste plus que 50% de pile, mais le pauvre. Ah, je lui ai tout mis là. Je lui ai brisé la tête. On l'a brisé ensemble. Je lui ai cassé les couilles avec mes fusils. En vrai, je sais pas, je trouve ça fort, mais à voir quand j'aurai monté en puissance parce que. Paralysé. Ah, vivement que Nana, ça a compétence 200. On l'a tué en 3 minutes. Oui.
Fourrure de chimère, aile de chimère, fourrure de chimère. Mais pauvre nana, t'as rien fait. Sinon que je suis avec Ciel. Hein. Bah bravo, tu as offert. On a vu la culotte de Ciel grâce à toi. Tu veux que je leur refasse? Non. Je crois qu'en plus il y a le tirallié dans ce jeu. Il y a possibilité d'avoir le tirallié. C'est quoi? Qui fasse tes dégâts? Ouais, ouais, quand tu tires sur un allié, tu lui fais des dégâts. Non, mais tu sais que si au plus ça va se finir en chacun pour soi. Bah oui. Dès que tu serais low life, je te tirerai dessus et tu meurs. Bon, sinon, on parlera pas de ce que j'ai loot. Ah, résistance au brouillage. Triple S. De nouveau. Bon, vu comment c'était court, hein, petite dernière encore. Petite dernière. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est que les lames d'impulsion. Ah, là, que je me spoil. Ah, par contre, si la cinématique elle dure 2 heures, bof. Sur le temps de ta fille. Toi qui demandais où on était, ben on est là-dedans. Ah, carrément la peste noire. On est une ville mobile. Un peu ça. Hein. Alors le conducteur, il n'y a pas intérêt d'être bourré, hein, sinon. Quoi ces petits mots en 2D? Ça a changé, dis donc. Ils avaient pas un mur à une époque? Oh, il y a le docteur Kagi. Je commande votre trou via le bras. Pressing issue.
changer Kota. Ah, j'en suis pas encore là. Capitaine de la première unité. Ah, ça veut dire que nous on est mort quoi. Que le perso du 1 est mort quoi. Putain, mais là, pourquoi on peut pas avoir Kota dans ce jeu? À la place de Roméo. Kota, la mitrailleuse. En vrai, il utilise même pas de un God Arc, il peut se transformer en épée. Il utilise qu'un fusil. GG Kota. Ah, l'Extrême-Orient. Bon, bah, on va s'arrêter sur l'Extrême-Orient. Hein. C'est une bonne note. Mais du coup maintenant on est dans la poste extrême. Ah je sais pas. C'est la vieille base qu'on était avant. Oh putain. Ah oui. Il y a le marchand. Attends, Amy c'est pas le gamin. Le marchand. Putain, il nous avait manqué ce fils de pute. Il y a encore toujours de la merde depuis le temps. Ah il Barry. Attends, tu as vu le prix que ça fait quand on marche? Oui, j'ai entendu. Damien, qui se souvient de Damien? Lika, putain. Ah putain, ils ont un image. C'est plus grand, je trouve, non? Putain, il a plus de marchandises, le marchand. Y'a, là maintenant, il y en a là aussi. Putain, il a fait du business, le commerçant. Non. Bon. Il y a de nouveau Ah cool. Bon bah on va s'arrêter. Et il y a le commerçant qui nous a envoyé deux messages. Oh là là. Qu'est-ce qu'on ferait sans le marchand quand même. Bon, et ben à bientôt.